Attention, attention, je me prépare à sortir du tunnel et blimba! J'atterris sur mes pieds. Salut tout le monde, c'est Media Gaming. Et aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour faire la 7ème fois sur Super Mario Sunshine pour faire le 7ème épisode. Alors cette fois-ci, on va aller maintenant dans un nouvel endroit encore. Pas au parc Pigna parce que je vais vous montrer déjà mes glitches. Donc vous allez voir que j'en ai pas mal avancé, j'ai pas mal ramassé de soleil dans la plage des Finos. J'ai obtenu 100 pièces en ramassant un soleil. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le nouvel endroit qu'on va. Où c'est que je vous parle. Alors on va déjà commencer par aller par ces petites lumières qui scintillent. Alors c'est très simple, je mets ma pompe comme ça, j'ai camisé le soleil. Et on va aller sur les Benoki. Alors, pour ce premier épisode, c'est le gardien du bouchon. Je sais plus c'est quoi en fait cette île ni cet épisode, mais il me semble que j'ai déjà fait. Ah, c'est bon, là, je m'en rappelle. Alors, vous allez voir que l'eau est devenue violette, donc l'eau est polluée parce que je sais pas en fait c'est quoi en fait le problème, mais vous allez le découvrir. Déjà je commence déjà à avoir une pièce bleue déjà là, donc je vais commencer déjà à la ramasser avec le bateau. Je suis sur un bateau, donc je vais essayer de ramasser la pièce bleue. Voilà, ça fait déjà 13 pièces. Et j'ai remarqué que cet endroit n'est pas pollué et on peut plonger, donc on va aller dans les endroits aussi qui ne sont pas violets parce que vous perdez de l'énergie aussi. Passer par là. Donc on arrive dans un endroit où il y a de la boue partout. Alors cette fois c'est pas l'œuvre d'un monstre, c'est l'œuvre d'un autre monstre. Je vais déjà commencer à mouiller ce mur. Normalement on peut pas. Alors on va grimper là-haut. Malheureusement, on n'est pas à la bonne hauteur, donc on va devoir prendre les escaliers. Voilà, par là. Ah merde, pas ça. Voilà. Alors pour monter là-haut, on va déjà commencer par arroser le petit vase. Et on monte. Alors si vous mouillez ce carré, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va apparaître normalement. Une pièce. Si je mouille cette croix, normalement il y a quelque chose qui devrait apparaître. Voilà, par exemple, il y avait ça qui était caché à cause de la boue. Au moins on peut monter. Voilà. Ah, 3 pièces il y avait. On va sauter sur ça, voir ce que ça fait. Bon, on arrose de base. J'ai déjà presque plus d'eau. Ah putain, la boue. Ah! Putain, il faut que j'ai presque plus d'eau. Putain, en parlant de ça, il y a un coin d'eau ici. Voilà. Le réservoir est assez rempli. On va déjà commencer à grimper là. Merde. Voilà. Normalement on arrive presque au canon. Tiens, c'est encore ça, c'est un castor qui bloque le. Qui jette de la boue partout, donc on va lancer des bombes sur lui, comme ça. Putain, je l'ai mal visé. Des fois c'est la bonne. Il faut le toucher 3 fois de suite. Tiens. Ça fait déjà 2 fois. La troisième est la bonne. Là je pense qu'on l'a eu.
y avait un soleil dans la cascade. Ça fait 46 soleils maintenant. Continuez. On va retourner sur les Benokis. Voir si je peux ramasser 3 ou 5 soleils. Si je peux en trouver. Bon, le deuxième épisode, c'est le boss des ruines piégées. Hein, il me semble que ce qu'on va que c'est encore la pieuvre que j'ai affrontée. Enfin, je connais cet épisode. Si je parle à cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Mario, merci pour ton coup de main. C'était vraiment spectaculaire. J'aimerais tellement être aussi fort que toi. En fait, grand-père t'attend pour te dire quelque chose. Donc il faut aller dans le chemin où il y a des pièces. Tiens, j'arrose un poisson. Alors, surtout ne tombez pas dans l'eau qui venait, qui a été polluée, parce que vous perdez de l'énergie si vous faites ça. Ça, c'est grand-père qui veut me parler, qu'est-ce qu'il veut me dire. Excellent, Monsieur Mario, félicitations. Nos belles cascades sont de retour comme avant. Mais je ne comprends pas, l'océan est toujours sale. Il semble que je me sois trompé. Ah, mais je crois deviner le problème. Je vais devoir te révéler un des plus grands secrets de Benokia. Il y a un passage. Ah bah tiens, on a un soleil. C'est Ben cache en fait le tombeau d'un ancien roi Loki. Quand tu envoies de l'eau sur les peintures des murs, passage, tu dois normalement apparaître, c'est presque à la magie. Donc on parle un peu des types symboles au carré que je vous ai parlé, qu'on peut les arroser, donc comme ça. Ça cache des secrets. Et vous devez monter vite, le plus vite possible, parce que les murs peuvent se refermer. Alors, c'est par là qu'il faut aller. Par où déjà? Ah non, c'est par là, je me suis trompé. Voilà. Tiens, il y a des deep loops qui sont là. Donc, on va devoir encore affronter, je parie, la grosse pièce qu'on a affrontée à Port Rico. Bon, déjà, on ramasse une pièce bleue, voilà. Là, il y a un autre truc à arroser. Oh merde! Oh putain, il faut te dépêcher de grimper, sinon les murs se referment et disparaissent. Putain, il y avait une pièce bleue que j'avais pas vue en plus. Voilà, bah c'est pas grave, on la laisse. On la ramassera. On passera. Bah là, on grimpe vite, sinon les murs disparaissent. J'en étais sûr, c'est encore la grosse pieuvre géante. Tire vite une tentacule. Une tentacule de moi. Aïe. Aïe. Tu m'as fait mal, toi. Ah. Ah putain, je peux même pas tirer son nez, en plus c'est un cul m'empêche de l'attaquer. Voilà. Mouiller son nez. Ah putain, je perds de l'énergie. J'arrête les tentacules, cul. Voilà. Il y a des pièces en haut. Je vais les ramasser pour récupérer de l'énergie. Voilà, deux ça suffit. Putain, il y a encore la pieuvre qui nous attaque. Une tentacule de moins.
pour lui mouiller son nez, son museau, pour comme ça, il est paralysé. Et on saute des tentacules et du coup, voilà. Là, je pense qu'on devrait, comment dire, le l'achever maintenant et le tirer sur son nez. Là, on l'a eu. Il me semble qu'on fait une... Voilà le temps qu'il nous parlait, le vieillard. Tiens, il me semble que si on arrose les vases, une fois qu'on ramasse des pièces. Voilà, comme cette pièce bleue par exemple. Si on arrose le gros aussi, normalement il doit avoir une pièce bleue aussi. Voilà. ...47e soleil. Et Bravisono. Continuez. On va à Benokia cette fois-ci. Alors, Benoki. Ah non, c'est Benoki, je me suis trompé. Alors cette fois-ci, dans le troisième épisode, c'est... Les pièces rouges de la bouteille. Ah, je connais cet épisode. Il me semble qu'on va se retrouver dans une bouteille et on va devoir ramasser des pièces rouges. Ben, comme ces bouteilles, par exemple, vous la voyez. Et il dit, je sais, j'ai la pollution à nos problèmes. Il va juste falloir que tu atteignes, enfin, je veux dire, le fond de l'océan. Je sais que c'est impossible pour l'instant. Mais c'est pour ça que j'ai créé cette zone pour que tu puisses t'entraîner. Abracadabra dans la bouteille et tu t'entraîneras. Tiens, il nous donne un casque en plus. Et en plus, avec la machine à eau, on peut également lancer glou encore. Même qu'on soit dans la bouteille, dans l'eau, vous allez voir. Donc on sera dans la bouteille. Il faut ramasser des pièces rouges. Putain, même quand on est dans la bouteille, c'est vrai que je vous ai dit, on peut même lancer de l'eau. Donc il faut déjà ramasser les pièces rouges, on a dit. Putain, même quand on est au fond de l'eau, on a l'énergie, enfin notre respiration, on perd de la respiration. Donc ramasser les pièces rouges. Rouge. Oh là. Voilà. Oh putain, quand on est monté à fond, on a eu une pièce rouge. Tiens, il y a un poisson qui veut me mordre. Demande si on peut l'arroser. Non. Même dans l'eau, on peut pas les arroser. Ça fait déjà 5. Non, on s'arrête même pas quand on utilise l'aéropuce. Vite, la pièce rouge. Ah, laisse-moi le poisson, on dirait qu'il veut me bouffer. Lâche-moi. Putain, il ouvre la bouche comme ça, on dirait maman du Saint-Coup, le mec. Ah. Voilà, ben, il faut surveiller la respiration de très près. Y'a pas d'autres pièces rouges. J'ai pas eu le temps de... Oh bah voilà, on voit la une. Oh, les deux autres, elles étaient en bas. Oh putain, je les avais pas vues. Oh bah tiens, il faut déjà sortir d'ici. Voilà. La dernière se trouve juste dans un caillou. Oh, on est pas loin du soleil, en plus il est juste dans un caillou. On a l'impression qu'on est on fait du sous-marin ici. Enfin, on est en expédition sous-marine. 48e soleil. Continuez. C'est parti, on retourne à Benoki.
Le quatrième épisode, c'est la carie engouillée. Je sais pas, bon. Il me semble que je connais cet épisode. On va aller dans une... Voilà, on va aller dans ces cascades et on va plonger dedans. Tiens, il y a lui qui veut nous parler. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mario, tu es enfin prêt pour aller au fond de l'eau. Grand-père t'attend là-bas. Oh, et oublie pas ton casque. Ah bah, mon casque pour respirer dans l'eau. Je saute plus haut. Donc le papy nous attend. Ah merde. Voilà. C'est par là, il me semble qu'il faut aller. Ouais, c'était par là. Voilà. Merde. Voilà. Donc le papy doit se trouver là. Voilà. On y est. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sembles être prêt. Toutes ces couillures sont causées par une andouille géante. Elle a élu domicile au fond de la mer. Ah, d'accord. Donc, il y avait une pièce en bleu en plus. Donc, il faut que je plonge dans la cascade. D'accord. Je vais devoir plonger dans la cascade. Ok. Aéropus et Banzai. Waouh! On dirait des ruines qui ont coulé, on a l'impression. Tiens, en plus, je vois l'espèce de créature qui cause des problèmes. Les capteurs détectent une substance toxique en approche. Donc, c'est cette espèce de monstre qui crée les problèmes dans. À Penoki alors. Oh tiens, il se prépare à charger. Ah, il me semble qu'il faut le nettoyer. Il semble que nous devons nettoyer ses dents. Bah, c'est ce qu'on va faire. Ah, j'ai presque plus de respiration. Ah, il fait sombre, je ne vois. Putain. Ah, j'ai presque plus de respiration, vite, il me faut des pièces. Des pièces. Ah, énergie faible. Voilà. Il faut nettoyer ses dents maintenant, allez. Il a perdu une dent. Oh, punaise. Remonte. Putain. Putain, il faut nettoyer ses dents en plus. Je suis pas dentiste, moi. On a l'impression qu'on lui fait un décartage. Putain, il faut que l'énergie, j'ai presque plus d'énergie. Des pièces là-bas. Voilà. Nettoyage dedans, allez. Ah putain, faut pas le toucher alors. Ah non, pas cette fois-ci. Tu m'auras pas deux fois, tu m'auras pas trois fois de suite en me mettant dans ta bouche. Vite, les pièces, on a presque plus d'énergie. Voilà. J'ai remarqué qu'il a une espèce de dent en or sur lui. Regardez. Ah oui, c'est Glore en plus. Mais il fait son, je ne me sens pas en sécurité. Bah putain. Allez, redescends pour que je te nettoie.
Putain, l'énergie. Ah, faible. Vite, les pièces. Enfin, on dirait une espèce de baleine géante qu'on est en train de nettoyer en plus. On croirait vraiment qu'on est des... On est un dentiste, on est des dentistes, je veux dire. Putain, il remonte. Tiens, on a pas se nettoyer une dent à lui. Plus qu'une maintenant. Ah, on est faible. Putain, je suis faible. Faut des pièces vite. L'énergie. Ah, au moment qu'on a des pièces. Ah, voilà 3. Il en faut 2 pièces. L'énergie. Voilà. Plus qu'une dent cette fois-ci. Voilà, cette fois on l'a eu. Tiens, il y a la dent en or. Tiens, on récupère de l'air et en plus, on a notre soleil. Neuvième soleil. Putain, c'était chaud vu laver les dents à cette baleine géante. Enfin, je sais pas c'était quoi ce monstre. On retourne à Benoki maintenant. On est au 5e épisode. Cette fois-ci, c'est le ménage l'île Piantismino. Je sais plus c'est quoi cet épisode. Il me semble que ça me dit quelque chose. Ah, cette fois c'est encore une course qu'on va faire. Et l'arrivée se trouve où? Je vois pas l'arrivée mais Et oh, enfin, je veux dire, oh, l'écré levé, je suis il Piantismo, oui, c'est bien moi. Tu es prêt à faire la course jusqu'au drapeau? Bon, ce sera facile, ça va me prendre justement 30 ou 40 secondes. Aïe. Vite, faut passer par là. On arrive avant lui. Quand on le voit d'ici. Ah, j'ai pris seulement 24 secondes. 92 minutes. Piu piu, t'es rapide. Finalement, tu n'es peut-être pas l'éléphant de mer pour lequel je te promets. Prenez-moi. Ouais. Le 50e soleil. Bon, vous êtes prêts à faire le 6e épisode? Là.
Alors, j'ai pas vu, c'est quoi le sixième épisode? Le secret du coquillage. Donc, faut aller là-haut, dans ce coquillage là-haut. J'ai déjà fait cet épisode. On va commencer par monter par là. Merde. Alors, les trucs bleus, ça, il faut les éviter aussi, ils sont dangereux. Oh putain, j'ai failli tomber. Ah. Oh putain, je suis tombé. Putain, c'est un bug ou quoi? Tiens, j'ai remarqué que l'eau elle est plus polluée, c'est bon. Ça veut dire qu'on a réglé le problème alors. C'est la baleine qui avait connu tous ces problèmes, qui avait pollué l'eau. Ça, on l'a déjà. Maintenant que c'est réglé, on va pouvoir commencer à faire d'autres missions cette fois-ci. Épisode 6. Putain. Non! Putain! C'est pas ça que je voulais faire. On est presque au coquillage là-haut, putain. On est presque au sommet. Ah! Les trucs cool, faut l'éviter. Voilà, on y est dans le coquillage. On rentre dedans. Ah, encore lui qui me vole ma machine. Oh là là. Alors ça, je vous dis, c'est le plus dur, comment dire, parcours que j'ai fait. On va déjà sauter à travers les... On va déjà commencer à faire les... à sauter dans les parois, voilà. Faut sauter sur ça. Oh, oh, le bug. En fait, j'ai déjà fait pour faire ça. Voilà. Hop. Oh là là. Ah, ah, c'est chaud ce parcours. Oh non. Oh, je suis tombé. Bah oui, je me suis cogné contre un mur, c'est pour ça. Putain. Allez, on y retourne cette fois-ci. Voilà. Ça va être compliqué, mais ça j'ai déjà fait. C'était compliqué quand j'ai fait ça, mais ça c'est facile de faire des... Alors ça, pour grimper là-haut, je sais comment il faut faire. Oh non! Putain, deux fois de suite, je tombe. J'ai voulu me faire un truc et il faut que je tombe en plus. Voilà. Merde, pas comme ça. Hop. Voilà, doucement. Hop. 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 On grimpe jusqu'à là-haut et on saute. On saute sur l'élastique. Oh! Voilà. Sur la vis. Voilà. Alors sur ça, hop. Merde, pas tombé. Et bim. Alors ça, c'est très compliqué cette fois-ci. Hop. Pas tombé. Faut que la concentration. Hop. Oh, ça va trop vite cette fois-ci. Ah, ça j'ai déjà fait, c'est compliqué aussi. Hop là. Oh, j'ai failli tomber, putain.
On arrive à la fin cette fois-ci. On saute sur la plateforme et on voit le soleil. Voilà. Ah, c'est compliqué ce parcours. Bravisono, 50e soleil. Enfin, 51e soleil. Continuez. On retombe pour faire le 7e épisode. Et cette fois-ci, c'est à l'Anti-Mario Krapa Fut. On va encore affronter Bowser Jr. Ou le Mario Noir. Mais moi, je l'appelle Mario Noir, mais je préfère l'appeler Bowser Jr. Ah, le voilà. C'est l'heure du bain, Bowser Jr. Ah, vitre l'extra Mario. Voilà. Hey. Je tiens. Merde. Je le vois. Non, tu t'enfuiras pas comme ça. Il s'est grimpé ou lui? Cette fois je te tiens. Aïe. Aïe, il plonge dans l'eau. Cette fois je te tiens. Ah. Ah! Ah non, je vais tenter de la boire une, putain. Ah putain, il m'a eu. C'est bon, je l'ai eu. Maudit, je suis maudit. Mais un jour, la victoire sera mienne. Il avait toujours le soleil sur lui. Cinquante deuxième soleil. Bon, prêt pour faire le dernier épisode, l'épisode 8. Le poisson, pièce rouge. Nous espérons que t'as venu, Mario. Comme d'habitude, grand-père t'attend là-haut. D'accord, on prend toujours notre casque pour aller chercher les pièces rouges. D'accord. Mais je vous excuse au moins 5 minutes. Je vais faire une pause et je reviens dans 5 minutes. Désolé d'avoir été si lent. On est prêt à retourner. Enfin, rebonjour tout le monde. Donc il faut aller là-haut. Voilà. Le papy va nous attendre là-haut.
Comme d'habitude, on va plonger dans la cascade pour aller chercher des pièces rouges. Et vous allez voir que lorsque je vais aller dans, quand je vais plonger dans la cascade pour aller chercher des pièces rouges, le poisson sera en forme de pièces rouges. Vous allez voir. Ah, on le voit de papy. On va plonger dans la cascade cette fois-ci. Banzai! Tiens, voilà le poisson à pièces rouges. Alors, il y en a 8 à ramasser. C'est parti. Bah tiens, je le vois. Ramasser les pièces rouges. Donc, il faut suivre les pièces qui se déplacent. Alors, le poisson, voilà. Déjà 2 pièces rouges. Déjà 3 pièces rouges. 4 pièces rouges. 5 pièces rouges. Donc je suis les pièces qui se déplacent. Alors. Terre, Et ils sont en train de se reformer, le poisson. 6 pièces rouges. Ah, les poissons viennent m'attaquer. Ah, vite. Ah, le poisson est en train encore se disperser. Les pièces sont en train de se disperser encore. Alors, là-haut, les pièces rouges. Bingo! Bingo! On en habite, il n'y a plus qu'à ramasser le soleil. Le dernier soleil du dernier épisode. Du dernier épisode de cette île. Déjà, je vais me laisser juste descendre au fond, ça va faire tout seul, vous allez voir. Je me déplace pas. Ça descend tout seul. Sans utiliser la machine. J'enlève l'aéropuce et je mets le viseur pour envoyer Glow normal. Et là, on a le soleil. Enfin, je remets l'aéropuce. Le petit truc. Et le soleil est à nous. Bravisono. 53e soleil. Sauvegarder et continuer. Voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. En tout cas, j'espère que le 7ème épisode vous aura plu à tous sur Super Mario Sunshine. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me laisser un commentaire et mettre un pouce dans la vidéo si vous l'aimez. Et je vous dis à tous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.